Bonjour, donc vous organisez prochainement une manifestation à Saint-Hilaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, bonjour d'abord et avec plaisir. Donc le samedi 25 mars, dans le cloître de l'abbaye de Saint-Hilaire, aura lieu la première fête en France de la truffe Borki. Donc cette truffe est une truffe blanche qui est la cousine de la fameuse truffe d'Alba, qui a des caractéristiques totalement différentes de la mélanosporon, qui est une truffe qui se marie très bien avec tout ce qui est poisson, et donc également donc avec la blanquette. Pourquoi ? Parce que cette truffe, dite Borki ou blanquette, se traduit en français par truffe blanquette. Donc on a eu l'idée de faire le mariage des deux blanquettes, la blanquette Limoux, qui est déjà connue, et cette truffe blanquette, que l'on connaît ici et que l'on découvre à l'état, que l'on trouve à l'état sauvage et que l'on veut faire découvrir aux gastronomes français. Donc cette fête, je vous en donnerai plus de renseignements la prochaine fois, mais sachez d'ores et déjà qu'il y aura deux conférenciers, un conférencier italien, un conférencier espagnol, tous les deux spécialisés dans cette truffe. Donc rendez-vous juste avant cette truffe, lors de la répétition générale, puisque c'est une première fête pour nous, et je vous avouerai qu'on stresse un peu, parce qu'organiser un marché quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. Donc rendez-vous, si vous le voulez bien, le 18 mars, le samedi, où on fera la répétition générale de cette fête. Merci beaucoup. Et merci pour votre invitation. Du coup, on interviendra pour en parler plus avec vous de cette fameuse truffe. Ben, avec le plus grand plaisir, et je vous en parlerai longuement parce que je peux être intarissable là-dessus. Bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.